Dans le système judiciaire, les émissions de merde sont considérées comme particulièrement monstrueuses. En France, les trolls qui remédient à cela sont membres d'une unité d'élite, appelée Club 1825. Voici leur histoire. Oui, bonsoir. Salut, 01-34-22... Papy Tricot, je crois que... Apparemment, t'as pas compris. Je crois que t'as pas compris les choses. Méfie-toi. Méfie-toi, parce que les opérations sont en route. Hein ? Elles sont en route. Voilà, mais je crois que tu comprends pas le français. Et ça va être de pire en pire pour toi. Cet art qui est majeur, qui est de... Ça veut rien dire ce que tu nous dis là, c'est du verbiage, ça veut rien dire à cause de... Mais pourquoi tu as découvert si tard les... Attends, laisse-moi parler s'il te plaît. On te laisse parler les gens. Un avocat, il doit aussi laisser parler la partie adverse, que je sache, si c'est soi-disant presque un avocat. Il faut un juge. Ok. Et là, le principe de contradiction okay. n'est pas respecté. Bon, alors, bon, écoute, tu me saoules. On sait que tu viens du forum, tu me saoules. Alphonse, voilà. Alphonse et... Voilà. Hein, c'est forum et compagnie, ça suffit, le petit numéro, on l'a déjà entendu je ne sais combien de fois. Ça va. Ok. Non, bonsoir. Oui, Alphonse, c'est Alphonse. Oui. On lui Alphonse. Oui, on t'écoute. Oui, alors vous avez changé de thème ou c'est... Non, on n'a pas changé de thème. Oh putain, mais écoutez, bordel de merde. Voilà. 01-34-12-12-22, bonsoir. Allô. Oui. Oui, désolé, Guéridon, visiblement, je t'ai énervé, Marc, on s'est au nez, mais c'est pas grave, c'est Alphonse. Oui. Oui. Oh non. Mais tu m'expliques, Alphonse, comment se fait-il que tes interventions à l'antenne se retrouvent... Tu m'écoutes? Oui. Comment se fait-il que tes interventions à l'antenne se retrouvent mises en avant par Papy Tricot dans sa chaîne YouTube? Mais Papy Tricot n'est pas un esclave, il fait ce qu'il veut, et si une intervention intéressante, il le met sur sa chaîne. Ah d'accord, ok. Il met que des interventions intéressantes. Toi, ça te gêne. Moi, ça me gêne pas du tout, moi j'aime bien, au contraire. Ah d'accord. Et je comprends pas pourquoi M. Rousseau, il met son numéro toutes les deux secondes. Ok, salut. Oui, bonsoir, moi je voulais réagir sérieusement. Non, Sylvain, tu ne rattarderas pas. Sérieusement, ça suffit. Je connais tes interventions. J'ai trop entendu et ça ne peut pas être sérieux. Voilà. Ça fait un moment que je ne crois plus au sérieux quand on me dit que je veux intervenir sérieusement. D'abord, la personne qui veut intervenir sérieusement n'a pas besoin de le préciser. Si on le précise, c'est qu'on n'a pas l'intention d'être sérieux. Voilà. C'est bête, hein. C'est bête. 01-34-12-22, bonsoir. Oui, c'est Sylvain, moi je voulais... Non, Sylvain, c'est pas la peine, tu passeras pas. Allô? Oui. Oui, des nouvelles du dossier? Ta gueule. 01-34-12... Oh. T'en auras bien avant, t'inquiète pas, ouais. Le dossier, il est en train de se compléter, là, tu vois. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, c'était intéressant ce qu'il dit. Voilà. Et il joue, il a un coup il a les jetons, il se barre en courant, et puis le lendemain il revient, quoi. Puis il fait surtout bosser les autres par derrière. C'est tellement plus simple. Quand on voit plus soi-même. Voilà. 01-34-12-12-12, bonsoir. Voilà. Ah, t'es bien rodé, dis donc. Vous êtes nombreux ce soir, apparemment vous êtes nombreux, donc il y a des nouvelles voix qui vont arriver. Et a priori, on vous encourage, toujours le même qui vous encourage à venir foutre le bordel. Mais c'est bien, ça nous fait des éléments supplémentaires hein, sur la clé USB pour fournir ça aux autorités compétentes. Ça fait des éléments supplémentaires à démontrer qu'on est bien harcelé là. Et que là, il y a du harcèlement. Et le harcèlement, bah, je pense que au niveau de la loi, je crois que c'est fortement puni. Voilà. Donc, allez-y, continuez, ça nous donne des éléments supplémentaires. On n'a rien d'autre à foutre, de toute façon, apparemment, Audi est si triste qu'en plein été, en plein mois de juillet, vous soyez derrière vos ordinateurs, comme vous l'êtes certainement toute la journée, à part que vous ne faites peut-être pas chier IDFM la journée, vous faites peut-être chier d'autres radios ou d'autres personnes, ou fouiller la merde, comme vous aimez le faire. Mais bon, voilà, après tout, nous, pendant ce temps-là, le dossier se constitue, puis à partir du moment où on considérera que on a assez d'éléments... On ira voir les autorités compétentes. Mais rassurez-vous, on ira. Papy Tricot, rassure-toi, on ira. Hein. Mais je pense que tu es pressé, mais je pense que tu devrais pas être si pressé que ça. Parce que je pense que tu vas peut-être le regretter tôt ou tard. Qui accueillons-nous sur le début du standard? Bonsoir. Je ne suis pas le chef.
Oh là là. Je suis pas le fesse, oui. Je suis pas le chef, non. Il est pas le chef. Ah, okay. Mais on a les preuves. On a des preuves, Papy Tricot. Arrête de nous prendre pour des cons aussi. Arrête de nous prendre pour des cons, Papy Tricot. Puis de toute façon, c'est trop tard. Tu as fait une reddition. Il y a peu personne t'a suivi parce que t'as agité les foules. Et tout le monde, finalement, aujourd'hui, te dit, bah non, continue, tu seras un gros lâche. Et comme t'es con comme un mouton, et bah, tu suis tous ceux qui t'ont répondu, bah non, il faut continuer. T'as agité les foules. T'as foutu le bordel. Et plus personne veut s'arrêter maintenant. Surtout qu'ils savent que c'est toi qui as pris les plus gros risques. Mais c'est con, c'est toi qui payeras. Mais ça sera au moins un exemple pour tout le monde. Ils sont lobotomisés, Marie-Laure. Que tu pourras dire putain comme tu veux, ils continueront. Ils ont décidé de pourrir les nuits. De toute façon, tant que de toute façon, le petit meneur ne sera pas emmerdé. Mais parce que c'est comme ça, ils n'ont rien d'autre à foutre, Marie-Laure. Ils n'ont rien d'autre à foutre. Voilà, c'est tout. Et c'était un trésor pour les chocobores. Hein, je disais souvent Jeanne au secours. Oh là là, putain. Mais putain. Donc par conséquent, qu'il n'y a pas à tirer de conclusion générale sur un seul cas, sur le tien par conséquent. Enfin, le cas échéant. Calme, au secours. Oui, c'est ça. Oh là 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 là. Mais il y a le petit journal pour nous faire ce genre de choses ou TPMP. Et au moins, c'est drôle quand ils le font autour. Jeanne, au secours. Jeanne, au secours. Ah. Oui, bonsoir, Didier, reviens des mains. Oui, c'est ça. Garde la pêche. C'est marrant, en plus, il est heureux là ce soir, s'il est chez son père, Papy Tricot. Parce que comme il est fils de parents divorcés. Ah, c'est un divorcé, fils à papa. Oui. Ouais, là, chez maman, il n'a pas le droit d'appeler apparemment. Hein. Mais chez papa, comme papa aime beaucoup ce qu'il fait, ce que son fiston fait, il a le droit d'appeler ce soir. Sinon, habituellement, il rame son petit cadeau après. Ouais, je pense. Papounet va être content, il va lui faire écouter ses blagues. Voilà. 0134-12-12-22, quand ils auront une corde d'avocat de la ville, par rapport aux menaces qui sont faites actuellement, ils seront peut-être moins contents. 0134, l'incitation à la haine. Là, vous êtes derrière un certain nombre de critères d'accusation, l'incitation à la haine, etc., etc. Je ne vais pas vous les citer parce que bon, je pense que vous devriez vous documenter par vous-même. Mais rigolez bien. On rigolera moins dans quelques temps. Bonsoir. Je te jure, des moutons, on dit rien. Eh bien, on va faire le con sur une. Ah ouais, chouette, on va s'amuser, rien d'autre à faire, tout de toute façon. Il branche mon ordi, il enregistre les conversations, tout ça, c'est super, on va repasser ça. Il me fait rien à faire des montages et tout ça, c'est super. L'autre, il est venu dire kebab sur l'antenne. En fait, il a dit kebab sur l'antenne et Zulman. Super, on a réussi à dire soupape et kouma. Non, Zulman et soupape, non, kebab. Je crois que c'est une secte leur truc là. C'est la secte du tricot ça. Du tricot, ouais. Et j'ai vu aussi un certain nombre de choses dont je vais m'occuper aussi sur leur forum, des choses donc qui sont tout à fait condamnables par rapport au dialogue, au discours, aux messages qui sont passés entre les forumeurs, entre les gens qui forumeurs. Il y a des choses qui sont inadmissibles, qui sont gravissimes au regard de la loi. Et Papy Tricot ne pourra plus nier l'évidence. En tant que mineur, faut pas qu'il se croie à l'abri. Voilà. Et on sait un certain nombre de choses sur lui qu'il ne soupçonne pas qu'on sait. Voilà. Donc il fasse très attention et que les sbires qui tournent autour de lui aussi fassent attention parce que je pense que les enquêteurs, ça prend ces proportions-là, ils vont enquêter. Il y a des choses officielles qui permettent de se prémunir de ce genre d'individu nauséabond qui répand la haine et le n'importe quoi. Voilà. Celles et ceux. Et surtout ceux, parce que c'est surtout des mecs sur ces forums-là. Alors ça m'amuse, parce que c'est des forums où il y a de l'antisémitisme, je l'ai vu ce soir. Il y a du racisme, il y a de l'homophobie. Alors quand ils s'amusent à dire un tel il est pédé, et machin il est pédé, et ceci il est pédé, eux ils ne sont qu'entre mecs, il n'y a pas de filles sur la forum. C'est forum qui héberge des individus nauséabonds. Des individus nauséabonds. Okay, je vais m'en charger. J'ai du temps à perdre et on est plusieurs à avoir du temps à perdre. Ça suffit. Ça suffit de prendre en otage les gens de cette façon-là. C'est une forme de terrorisme moderne. Oui, tout à fait. Et en général, en France, à la prise d'otage, on ne fête pas. Voilà. Non.
Et il y a aussi des avocats qui peuvent prendre des affaires tout à fait bénévolement quand ils sentent éventuellement qu'il y a du bon pour eux par rapport à leur réputation et choses comme ça. Et moi, je connais pas mal de gens qui connaissent des avocats assez connus et auprès desquels je peux prendre des conseils. Et des avocats qu'on a vus à la télévision. Donc, si ça peut leur indiquer quelques petites choses, voilà. Oui. Mais ils sont prévenus. Apparemment, ils ne comprennent pas le français. Je ne sais pas en quelle langue il faut leur parler. Moi, je ne connais pas le langage informatique, désolé. Mais je ne sais pas quel est ce virus qui touche cette bande de crétins d'emmerder le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui, excusez mon accent, je suis belge. Hein. Et bien, le jockey se prostitue, Papy Tricot n'est pas le meneur. Jeanne, au secours. Jeanne, au secours. C'est pas grave, j'ai son numéro, je le rajouterai à la liste. Mais qu'il se rassure. On a réuni un certain nombre d'éléments contre lui, il ne veut pas le croire. Hein, le dossier, oui, je persiste et je signe, le dossier est bien constitué. C'est plus il se constitue, c'est qu'il est bien constitué.